coproduction donc, qui est portée par le Centre français de promotion lyrique que dirige Raymond Dufaux et qui réunit donc du coup une quinzaine de maisons d'opéra, ce qui est assez exceptionnel sur un projet qui doit mettre en valeur de jeunes chanteurs. Et donc pour ça, c'est un projet qui part de très loin puisqu'on a des auditions, un premier tour d'audition, un second tour d'audition. Et donc on se lance après dans l'aventure au niveau musical et au niveau scénique. J'ai été très étonné en me plongeant dans cette partition par le détail, le travail qui a été fait, notamment sur la voix, sur le travail sur la voix, puisque l'une des caractéristiques de Sauguet, c'est ce travail sur la voix, qu'il soit le plus proche possible de la voix parlée, de la prosodie, du rythme de la voix. Deuxième chose, c'est l'orchestration à la française, vraiment avec un travail remarquable sur les vents, sur les bois, et qui est toujours une certaine élégance finalement dans l'orchestre. Et malgré le romantisme de la pièce, on garde une certaine réserve, une certaine élégance qui est à l'image finalement de Sauguet. Il n'y a finalement que deux ou trois passages où l'orchestre va au-delà des limites, on va dire, de dynamique. Et c'est précisément lorsque les personnages sont, comment dire, n'arrivent plus à surmonter leur destin, finalement. On est dans une formation qui n'est pas très très grande, on est dans à peu près à 35 musiciens, mais malgré tout l'orchestration est encore une fois très très fouillée, donc on arrive à obtenir des couleurs très différentes, et notamment au niveau de l'harmonie, puisque Sauguet a un langage très très personnel, très particulier, qui fait que voilà, on a une sorte de scintillement de couleurs, quelquefois des couleurs très claires, très franches, et des choses un peu plus enrobées, qui font que voilà, d'un numéro à l'autre on change complètement d'univers, et c'est ce qui est très intéressant dans cette partition. Musset a écrit l'œuvre au 19e siècle, mais il a situé l'action à Naples au 19e siècle, donc trois siècles avant la création. Sauguet et Jean-Pierre Grédy, le librettiste, ont composé l'œuvre en 1954, donc plus de 100 ans plus tard. Et donc, les auteurs se sont permis de jouer avec le temps et je me suis permis de jouer avec le temps moi-même en resituant l'action à Naples, comme originalement Musset l'a fait, mais quelque part entre 1950 et 1960, ce qui correspond davantage à la création de l'opéra qu'à la création de la pièce de Musset, et qui était en quelque sorte pour moi une sorte de compromis entre Musset l'initiateur et nous aujourd'hui. Ce que j'aime dans la musique de Sauguet, ce sont tous les non-dits, tout le sous-texte qu'il y a derrière la musique. Donc, nous avons les trois personnages qui évoluent dans l'histoire, ceux autour de qui se noue le drame, qui sont Célio, Octave et Marianne, que j'ai dirigé de façon plus réaliste. D'abord, pour qu'ils collent mieux à la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui, parce que nous savons que c'est une histoire qui parle d'une jeunesse qui se cherche, qui ne sait plus tellement où va le monde, qui cherche de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de se battre aussi. Et donc, j'ai dirigé ces trois personnages de façon plus réaliste, en ce sens, pour que les jeunes d'aujourd'hui qui viennent voir le spectacle s'y identifient. Et par la suite, nous avons la deuxième catégorie de personnages qui sont des personnages plus comiques. Les personnages qui, selon moi, sont esclaves de leur rôle social, la duègne, Tibia, Claudio, le mari jaloux, que j'ai dirigé de façon plus caricaturale pour faire ressortir tout le côté comique que nous ressentons dans la musique et des thèmes musicaux qui les représentent.